Pour arriver à maintenant, comment on a créé ce business model qui doit être un outil, je dirais, simple, adaptable, partageable et évolutif. Donc, pour parler de business model, aujourd'hui, on utilise globalement et de façon générale ce qu'on appelle le modèle Canvas, qui est issu d'un chercheur. Donc, ce modèle Canvas a été, je dirais, créé dans les années 2000. Et sur, je dirais, neuf grosses parties, on va avoir un schéma de l'organisation de votre business model pour votre projet ou le développement de votre organisation marchande et productive de l'agriculture urbaine. Donc, premier pavé, les activités clés. C'est-à-dire, vous allez décider qu'est-ce que vous allez faire et ce que vous avez envie de faire pour votre organisation marchande et productive de l'agriculture urbaine. On va parler ensuite de quelles sont vos ressources clés. Est-ce que vous avez besoin de ressources humaines? Quelles sont-elles? De ressources financières? Quelles sont-elles? Quelles sont les ressources matérielles dont vous avez besoin pour développer votre projet d'agriculture urbaine? Et puis avec qui vous allez les développer? Donc les partenaires clés. On a parlé antérieurement du micro-environnement, du macro-environnement. Tout ça, c'est des partenaires potentiels avec lesquels vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir compter pour développer votre projet d'agriculture urbaine, que vous fassiez des biens ou des services. Donc tout ça va vous engendrer bien sûr des coûts, d'autre part d'investissement, et vous allez regarder quelle est votre structure de coûts. Est-ce que ça va être, est-ce que globalement, c'est votre outil de production qui va vous coûter le plus cher? Est-ce que ce sont les ressources humaines? Est-ce que c'est l'acquisition de connaissances? Tout ça va être inscrit dans votre modèle Canvas. Ensuite, on va parler de vos clients. Qui sont-ils? Où sont-ils? Comment allez-vous les chercher? Et surtout, quelle est la valeur que vous allez leur proposer? Donc, on va parler de qu'est-ce que vous allez apporter à vos clients. On ne parle plus aujourd'hui de simplement de besoins primaires, c'est-à-dire se nourrir, se loger et puis être en bonne santé. On parle d'autres choses. Vos clients, ils ont besoin de beaucoup d'autres choses plutôt que de se nourrir simplement. Ils demandent globalement d'avoir une meilleure protection de l'environnement, d'avoir des produits sains. Donc, on a parlé de clients, on a parlé de valeurs. Eh bien, il va falloir entretenir des relations avec vos clients et surtout aller les chercher. Comment vous allez distribuer vers eux, est-ce que vous allez aller les chercher sur des marchés? Est-ce que vous allez utiliser des réseaux de distribution qui existent déjà? Que sais-je encore? Tout ça, on va le voir dans les parties ultérieures. Eh bien, une fois que vous avez attiré vos clients, que vous avez et qu'ils sont contents, acquis vos produits, et bien normalement, vous devez avoir perçu des revenus qui vont vous permettre de couvrir les coûts que vous avez engendrés lors de la création du développement de votre MPAU. Et puis là aussi, je parle un peu de capital parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas, pour développer son outil de production, il faut du capital et donc il peut venir soit de subventions, souvent des subventions à l'innovation ou alors des subventions parce que vous portez un projet social que les collectivités, qu'elles soient locales ou moins locales, puissent vous donner. Voilà pour cette partie. Donc, in fine, en résumé, ce que vous devez retenir du business model, c'est que c'est quelque chose qui est dynamique, qui doit être évolutif, qui doit être immédiatement appréhendable. Appréhendable par qui? Par les financeurs que vous allez aller chercher, par les ressources humaines que vous avez à l'intérieur et à l'extérieur de votre OMPAU, qui doit être compréhensible par vos clients et aussi qui doit être compréhensible par, les institutionnels publics que sont l'État et les collectivités.